que c'est que ça encore? C'est quoi ce bazar? Oh non mais regardez, il revient. C'est pas possible, il est devant la porte. Ah non mais là en plus on le voit bien grâce à la caméra qu'on a installée devant. Ah, c'est pas possible. Toujours avec son masque bizarre de clown là. Attends, vas-y, rapproche-toi de la caméra que je te vois un peu plus là. Ah non mais on dirait vraiment un voleur ou... Je sais pas ce qu'il nous veut lui. Attendez, je vais réveiller Jérémy. Jérémy, réveille-toi. Réveille-toi, dépêche-toi, viens voir devant la porte. Mais tu me réveilles toutes les nuits, Stéphane. Non mais viens voir devant la porte, il y a vraiment un truc cette fois. Me dis pas qu'il y a encore le monstre de l'escalier. Non, c'est pas le monstre. Je suis habillé d'ailleurs. Non mais viens, dépêche-toi. Viens voir, il est devant la porte. Il arrête pas de sonner depuis tout à l'heure. Regarde, je suppose qu'il va encore sonner une autre fois. Regarde, comme par hasard. Mais c'est qui ça? Regarde, on dirait un clown. Non mais, tu vois? Ben oui, il est moche. Je suis pas fou. Il est pas beau. Regarde, il se rapproche bien de la caméra là. Attends, c'est vrai qu'il est là? Non mais ouvre pas. Je veux pas ouvrir. Non mais fais pas de bruit. Non, te rapproche pas. Il faut pas qu'il nous voit. Non mais c'est vrai qu'on peut le voir dans l'œil de bœuf de la porte. Il est vraiment pas beau. Je sais pas si on peut voir avec la caméra. Vas-y, ouvre. Vas-y, ouvre. Non, on verra rien. On verra rien par le trou de la porte. Bon, salut à tous les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est vrai que je vous ai même pas dit bonjour. Attends, va dans ta chambre. On va dans ta chambre. Non, mais c'est vrai que je vous ai même pas dit bonjour pour cette vidéo. Mais là, il sonne encore. Mais bon, là, on est encore au Japon, les amis, pour tout vous dire. Voilà, vous reconnaissez l'appartement. On n'est toujours pas rentré en France. D'ailleurs, on rentre bientôt. J'espère qu'on va pas avoir plus de problèmes que ça. Non, mais tu te rendors? Ah, mais c'est une blague là. Oh, c'est pas possible. Bon, là le problème les amis, c'est que depuis qu'on est arrivé au Japon, on a que des galères. Peu importe où on va dans le monde, on a des galères. Mais là, ça faisait plusieurs jours que quelqu'un rentrait chez nous dès qu'on partait de l'appartement pour déplacer nos affaires, pour prendre nos affaires. Et là, depuis hier 22h, il y a ce clown qui arrête pas de sonner à notre porte. Du coup, ça va, heureusement on a activé la caméra. On fait quoi? Ah, ouais, je dors. Ouais, tu dors, ouais, tu vas pas m'aider à le faire fuir. Mais écoute, Esteban, toujours c'est pareil, toujours il y a quelqu'un qui vient. Un jour c'est le gars de l'escalier. Ok, j'ai compris, je me débrouille. Au pire, c'est quoi, je vais chercher le cousin relou, je vais chercher Valentin. Mais reste là, vas-y, c'est bon. Il est jamais prêt à m'aider. Valentin, t'es où? Il est pas dans son lit. C'est quoi ce bazar? Il est pas là. Jérémy, ah, et là t'as l'autre clown là qui est devant la porte, je le vois à travers la vitre, il est même pas malin. Il est pas là, Valentin. Comment ça il est pas là, il est parti dormir? Je sais pas, il est pas dans la chambre. Va vérifier, mais il est pas dans la chambre. Ah, il est peut-être dans les toilettes. Bon Valentin, je rentre. Non, il est pas dans les toilettes. Il est pas dans la salle de bain. Non mais il est parti dormir, il est où? Mais je l'ai vu partir dormir moi. Non mais t'imagines s'il est dans la rue. Il va rentrer, là il y aura le clown devant la porte. Faut l'appeler. Non mais c'est pas possible. Oh, non mais c'est pas possible. À tous les coups il est parti acheter une boisson parce que... Oh là là, il est parti acheter de l'eau je pense. Au supermarché d'à côté. J'ai même pas de raison. Oh, non c'est pas possible. Bon vas-y. Là il faut qu'on aille le chercher. On peut pas le laisser rentrer tout seul avec le clown qui traîne dans les couloirs. Alors attends, j'ai une idée. Bon les amis, là on va aller chercher Valentin. J'avais oublié, mais il m'avait dit qu'avant d'aller dormir, il allait acheter de l'eau. Donc, il est certainement au supermarché d'à côté. Je vais prendre ça. Tu vas prendre quoi? Parapluie. Et quand je vais sortir, je vais l'ouvrir, comme ça je bloque le clown et on peut passer. Non, mais là, le clown, ça va. Regarde, il est plus devant. Mais on va aller chercher Valentin au supermarché, les amis. Parce qu'on va pas le laisser re-rentrer dans l'appartement alors qu'il y a le clown qui traîne. Il est peut-être parti à l'étage du dessus ou du dessous. Je sais pas où il est, le clown. Oui. Le clown, je le vois plus. Non, on va chercher Valentin. Allez, à tout de suite, les amis. Avant que ça tourne à la catastrophe. Bon les amis, c'est bon, on se dirige vers le supermarché, on espère qu'on va le trouver très facilement. Là, en descendant les escaliers, on l'a pas vu. Ah non, moi je te dis, il est parti. Ouais, on n'a pas vu le clown, mais peut-être qu'il est monté dans les étages d'au-dessus, peut-être qu'il fait ça à toutes les portes, enfin on sait pas. Demain on ira essayer de parler à nos voisins, enfin si on les comprend, parce qu'il y en a beaucoup qui parlent japonais ou d'autres. Mais qu'est-ce qu'il fait? Attends, c'est Valentin ça? Enfin ça ressemble à... Mais qu'est-ce qu'il fait dans le truc de jeu? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Valentin! En plus on est dans les rues, on est dans la rue en pleine nuit, les gens ils vont se demander ce qu'on fait. Valentin, qu'est-ce que tu fais? Mijou. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu connais? Il y a quoi dans les mains? Je sais pas, ça mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Non mais Valentin, on n'a pas le temps là! On a quelque chose à te dire, il s'est passé un truc de fou à l'appartement. Valentin! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, mais en plus il bouge, il fait peur là!
Non mais allez, descends. Oh là là, bon. Non mais là, à tous les coups, il y a la police qui va arriver, ils vont nous trouver bizarres, ils vont nous emmener là. Ah, Valentin, descends. Bon, écoute, descends-le, moi je retourne à l'appartement pour voir si tout se passe bien. Bon, là, les amis, c'est une catastrophe. Je sais pas ce qu'il tient dans la main, on dirait une sorte d'instrument de musique bizarre là. Ah, il a l'air totalement possédé là, ou contrôlé par quelque chose. Regardez, il est en train de galérer à le ramener là. Bon, moi j'ai pas de temps à perdre les amis, il faut que tout le monde rentre dans l'appartement. On va tout fermer à double tour et on va rester là jusqu'à demain matin, jusqu'au moment où le soleil se lève. Parce que là, je suis pas serein. Là je me vois pas appeler la police tout de suite. Je préfère attendre. Ah bah c'est bon. Il nous suit. Ça va? Ah ouais, mais il est toujours ouais pas là. Non mais il est totalement bizarre là. C'est ce Valentin, truc, faut voir ce que c'est à part ça. Qu'est-ce que c'est que... Allez, viens, on y va. Dépêche. Les amis, on rentre à l'appartement. On s'occupe de Valentin tout de suite. Vous allez tout découvrir. Ok, c'est bon, c'est fermé à clé. Non mais Valentin, là, ça va ou pas? Y a un problème? Bon, là, les amis, on est revenu dans l'appartement. J'ai tout fermé à double tour, même les fenêtres, tout ça. J'ai laissé que celle-là d'ouverte. Ici pour entendre ce qui se passe dans la rue, pour voir s'il y a des gens qui ont un problème, tout ça, ou si la police arrive. Parce que finalement, ouais, j'ai décidé d'appeler la police immédiatement suite à ce qui se passe. Jérémy, tu viens? Ouais, j'arrive. Ouais. Non mais là, il y a Jérémy qui est en train de regarder s'il lui manque des choses dans ses affaires, tout ça. Parce qu'on s'est rendu compte que le temps d'aller chercher Valentin au parc, il y a des choses qui ont encore bougé dans notre appartement. Donc on pense qu'il y a des fous en fait qui traînent ici. Et ils appuient sur les codes, tout ça, ils connaissent les codes et... Et ils rentrent. Insupportable. Ouais, non mais là, non mais arrête Valentin, c'est insupportable. Je sais pas à quoi tu joues, je sais pas où t'as trouvé ça, mais... Tu penses qu'il a trouvé dans le parc? Je sais pas. Mais j'ai l'impression que l'objet le possède, il est possédé par l'objet. Tout à l'heure, il rigolait quand, tu sais, quand il y a pris... Non mais c'est trop bizarre. Non mais franchement, là t'as trouvé ça où? Regardez. T'as vu? Sur la table. Mais c'est le clown de tout à l'heure ça. Attends, c'est... C'est le masque. Attends, c'est l'heure, c'est le masque du mec de tout à l'heure. C'est l'heure que la personne est rentrée. Ça veut dire qu'il est rentré pendant qu'on était au parc. Attends, chut, il est peut-être là. Chut. C'est pas possible, donne ça. Ah, oh, donne ça. Ah, oh là là, laisse, chut. Oh là là, non, mais c'est pas possible. Non, mais il est totalement contrôlé. Bon, en fermant toutes les fenêtres de l'appart, j'ai vu qu'il y avait personne. J'ai vu qu'il y avait personne, peut-être dans la douche à la rigueur. Ah non, c'est bon, il n'y a personne. Bon, là les amis, ça commence à sérieusement nous inquiéter. On va rechercher ce que c'est sur internet cet objet pour voir pourquoi il est contrôlé. Bon, l'avantage c'est qu'il n'est pas méchant, il est juste totalement contrôlé quoi. Ouais, non, maintenant il fait des notes de musique, il sait même pas jouer. Je sais même pas jouer avec ce truc. Bon, les amis, je sais pas quoi vous dire de plus. Je pense que je vais rester réveillé toute la nuit pour surveiller l'appart. Et surtout, on va voir ce que Valentin devient, et demain au pire on ira voir un médecin avec lui, ok? Bon, les amis, je vous laisse là, cliquez sur une vidéo qui apparaît, à la prochaine, ciao.